Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Réunion à Yerevan avec les représentants des Arméniens de Dersim. Aucune violation du régime de ces éléphants n'a été enregistrée en Artsakh. Ministère russe de la Défense. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution initiée par l'Arménie sur la prévention du génocide. Le bâtiment du village de Baralé à Djavark sera réparé dès qu'il fera plus chaud. Les attachés militaires des États membres de l'UE et de l'OTAN accrédités en Arménie visitent la base aérienne du ministère arménien de la Défense. La ville sera construite sur une tombe à Serer en Arménie occidentale. Les alpinistes n'ont pas réussi à franchir le mont Ararat. La danse en Arménie occidentale est le Khochari. Un groupe de représentants arméniens de la République d'Arménie occidentale de la province de Dersim a été accueilli à la mission permanente d'Arménie occidentale d'Erevan. Parmi les invités figurait Asatur Balkis, représentant de Dersim au sein de la plateforme arménienne de Dersim. Les invités ont été reçus par le premier ministre d'Arménie occidentale, Sedat Melikian. Au cours de la réunion, un certain nombre de questions importantes ont été discutées visant à activer les activités des citoyens. Un accord a été conclu sur la coopération mutuelle pour renforcer les liens entre les citoyens de la République d'Arménie occidentale dans le domaine de la culture. Les trois quarts de l'Artsakh sont occupés par l'armée azerbaïdjanaise, mais il est dit qu'aucune violation du régime de cessez-le-feu dans la zone de responsabilité du contingent russe de maintien de la paix en Artsakh n'a été enregistrée au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a rapporté le ministère russe de la Défense. Les soldats de la paix russe surveillent le respect du régime de cessez-le-feu 24 heures sur 24 dans 27 postes d'observation et suivent la situation. Aucune violation n'a été enregistrée dans la zone de responsabilité de contingent russe de maintien de la paix, indique le rapport. Le 31 mars, la 49e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté par consensus la résolution de l'Arménie sur la prévention du génocide. C'est ce qu'a rapporté le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie. La résolution traditionnellement présentée par l'Arménie définit les mesures à prendre conjointement par les États membres des Nations Unies pour prévenir, reconnaître, rétablir la justice, indemniser, punir et traduire en justice les autres du génocide. La résolution soulève des questions telles que l'évaluation des risques et les mesures de prévention. Un appel d'offres pour la réhabilitation d'un bâtiment dans le village de Baralé, dans la municipalité d'Akhalkalak, qui est mauvais état depuis de nombreuses années, a été annoncé pour un coût de 80 000 guels. Il a été construit dans les années 60 du siècle dernier. Le bâtiment du club est en mauvais état. Il n'y a plus de verre dans les fenêtres. Le sol est en ruine et les murs sont couverts de moisissures. Cependant, cette année, il a été décidé de réparer le maison club. La date limite de soumission était le 28 mars. Un seul enchériseur, Vart Mokoyan, a participé à la vente aux enchères. Les travaux doivent être réalisés dans les 60 jours suivants d'amélioration des conditions météorologiques. Des portes et des fenêtres en métal plastique seront installées. Les attachés militaires des États membres de l'UE et de l'OTAN accrédités en République d'Arménie ont visité la base aérienne de N du ministère arménien de la Défense. Le colonel Samvel Tavadian, commandant de la base aérienne, a informé les invités étrangers des activités quotidiennes de l'unité militaire et a répondu à leurs questions. Ensuite, les attachés militaires ont vu les véhicules militaires. L'avion Su-30 SM a suscité un grand intérêt parmi les invités. Les attachés militaires ont noté qu'à court de la visite, ils en étaient une nouvelle fois convaincus que les quatre avions Su-30 SM étaient en place et que les informations circulant dans la presse azerbaïdjanaise et turque selon lesquelles ils participaient et des opérations de combat en Ukraine étaient fausses. Le site appelé la Gorge du Boucher se trouve près du centre de Serert, en Arménie occidentale, et couvre une superficie de 405 hectares, selon l'Association des droits de l'homme. Il est connu pour être le lieu de sépulture de nombreux Arméniens morts pendant le génocide des Arméniens en 1915. En même temps, c'était aussi le site de fosses communes de victimes d'assassinats d'État connus sous le nom de meurtres non résolus. Selon certains rapports, il y a les restes de moins 300 Kurdes ici. Pour la première fois, les restes de 8 personnes ont été retrouvés en 1989.
Par ordre du gouverneur, le même jour, les travaux ont été interrompus et aucun travail n'a été effectué par la suite. Au fil du temps, la construction a commencé dans la gorge. Ils ont d'abord construit des routes dans la zone qui avait été transformée en décharge. Puis ont autorisé une salle de mariage. Ce n'était pas suffisant. Une académie de police a été construite. Et maintenant, des bâtiments et des villas vont être construits dans une zone où sont enterrés des centaines de Kurdes et des milliers d'Arméniens. Un groupe d'alpinistes qui tentait d'escalader le mont Ararat deux fois par semaine n'a pas réussi à atteindre le sommet en raison de conditions météorologiques défavorables. Selon le calendrier, la période du 21 décembre au 21 mars est prévue pour l'escalade d'hiver. 5 alpinistes d'Arménie occidentale sont arrivés pour escalader le mont Ararat. L'équipe a commencé la première ascension à une altitude de 5137 mètres, mais ils n'ont pas réussi à le conquérir. Le lendemain, ils ont repris l'ascension et malgré une tempête de neige, ils ont atteint 4150 mètres. Il n'y avait que 887 mètres jusqu'au sommet, mais les membres de l'équipe n'ont pas pu avancer en raison de fortes chutes de neige. Il convient de noter que le mont Ararat, qui symbolise l'éternité du peuple arménien et de l'Arménie occidentale, a toujours été imprévisible en raison de ses conditions climatiques. La danse arménienne Khochari, qui occupe une place importante dans la riche culture de l'Arménie occidentale, plonge ses racines dans l'Antiquité. La chanson danse Khochari a conservé des traces de l'unité de l'ancienne société arménienne. Le Khochari est une danse de gagnant. Chaque marche triomphale était suivie de sacrifices en l'honneur des divinités. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.